Ok, donc nous nous retrouvons à la suite, je tourne à la suite, donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie. Et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour l'épisode 8, c'est ça, épisode 8 de l'Empire de MDJ, qui est un jeu, qui est un let's play sur le jeu César 3. Un vieux jeu sorti sous Windows 98. On dirait pas hein, pour les graphismes et tout. Il faisait des bons jeux aussi à cette époque-là. Hein. Et puis il y a un petit peu de bugs par-ci par-là. Tout se casse la gueule. Ça change pas. Oh. Oh. À chaque fois que je commence un épisode, ça commence toujours par s'effondrer ou un incendie. Je voulais quoi? Je voulais mes conseillers. Prospérité augmente, c'est pas un problème. Université. Il faut des universités maintenant. Alors, regarde, hop. Ça, ce bout de route là, il sert à rien. Donc on va faire une université à la place. Hop, on va faire une petite deuxième. On va la faire ici, tiens. Ça n'a aucun sens, mais bon, à côté des entrepôts. Pas en faire, ce qui signifie qu'il va falloir que j'en apporte. Lieu de culte, ok, il manque apparemment des franchement on va laisser le culte un petit peu rouler. Oh, 9% de chômage, ça va. Attendez, je regarde un petit peu mes finances. On va payer un peu plus nos salariés. Ouais, je suis assez content de ça. Donc, eh ben, écoutez, vu qu'on est plutôt bon, on va importer de la poterie. On va importer de la poterie, ça va faire augmenter notre population. On va évidemment créer un entrepôt spécifique à ça. Attendez, parce que je viens de voir un truc là. On va se remettre à restocker du fruit. Parce que si César nous en demande, ça a piqué. Lui, je l'avais spécialisé dans le meuble, il me semble. Non, c'est l'autre que j'avais spécialisé dans le meuble. On va en garder un quand même à merdier. On va... Poterie, autant pour moi, poterie, c'est ça que je cherchais. Résultat, l'entrepôt, on va le mettre un petit peu ailleurs quand même. Même si j'ai envie de le laisser près de... Est-ce que je peux le caser là? Non, on va le caser ici. Pas grave, et puis celui-là, donc on va le spécialiser dans la... Dans la poterie. On va chercher les biens. Voilà, donc lui est spécialisé dans l'import de la poterie. Ouah. 16 000 en argent. Qui est plutôt bon. Pas de lieu de culte, c'est vrai qu'ils nous en demandaient dans la...
Je regarde pas combien ils sont, j'attaque. Je pose pas de questions, j'envoie tout le monde. Ils sont où? Ah, ils sont là. 3 gugus, bon ok. J'aurais pu envoyer qu'une seule légion quoi. Putain, ils nous ont dérouillé un mec quand même. Ok. Et on a notre troisième légion qui commence à se remplir. Retour fort. Faut leur dire à chaque fois de revenir au fort. Sinon en fait leur morale augmente pas. Bon. Bah vous aurez remarqué qu'on joue pas vraiment avec la vitesse là, on reste à 90%. On va se remettre un petit coup d'accélérateur peut-être tout à l'heure. Mais bon, on va éviter parce que ici tout se casse la goule en permanence, donc évidemment. Oh. Ici là, ici ça se casse la gueule constamment. Bah écoutez, ici ça me gonfle. C'est pas compliqué. Vu que ça prend feu constamment, on va mettre une préfecture en plein milieu. Boum, voilà. Bon, on va mettre une étude d'ingénierie aussi alors. Parce que apparemment celle-là ici c'est trop loin donc... ah oui, c'est 5000 en plus en population qu'il me faut. Uh-huh. Pourquoi je le sens mal d'un seul coup? Donc qu'est-ce qu'il leur faut pour évoluer? Bon, en gros, il faudra que je construise un colisée également. Ou si ça évolue apparemment. Il y a de la bouffe là. Hein. Qu'est-ce que t'attends pour la distribuer? Notre charrette est de retour de livraison. Ok. Pourtant il y a ce qu'il faut, il y a du fruit, il y a du poiscaille, bon bah. César nous avait pas demandé un truc? Non. Bon ok, on va repartir sur une autre zone résidentielle. On va se mettre une zone résidentielle ici. J'ai ce qu'il te faut César, j'ai ce qu'il te faut. Ici, et on va refaire du poisson. Parce que c'est ce qui va nous sauver la partie. Donc on va dégager la zone ici. Et puis on va bah, exploiter la mer. Donc tout ce qu'on dit ici, je pense pas qu'on puisse... mais ici, c'est sûr pratiquement qu'on puisse mettre des docks. Donc on va se mettre à vitesse de 10% et puis bah, on va recommencer. Juste avant, je regarde où je peux mettre mes docks. C'est mes quais, excusez-moi, c'est les quais qu'il faut. Donc je peux en mettre un là, mais on va plutôt commencer par là. Ouais, je peux en mettre partout quoi. De toute façon il va nous falloir énormément de poissons vu qu'on manque toujours de nourriture. Donc on va se faire une overdose de quai.
pour aller chercher du poisson. Voilà. Il reste celui-là là-bas. On va. Non, 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 non. Oh. Voilà, comme ça. Ouais, ici, je vais avoir assez d'espace, donc. Un petit réservoir. Ah, moi, j'ai la place pour le caser. J'ai pas la place pour le caser. J'ai mis la route trop près. Hop. Réservoir. Ok. Je sais pas dans quel sens je vais le mettre. Résultat, le. Attendez, hop, on va corriger ça. Ouais, je pense qu'on va mettre dans ce sens-là. On va faire 200. 200. Des études d'ingénierie, on va pas hésiter à en foutre un peu partout. La dernière, on va plutôt la mettre ici. Ah, oh, oui, c'est vrai. Voilà, parce que je suis en ralenti, ça déconne un petit peu. Hop, ici, ici, ici. Évidemment, ici, c'est un petit peu isolé, un petit peu trop isolé du restant de la cité, donc résultat. Hop. Voilà, on va ramener une route. Ok, après, toujours pareil, un petit marché. Évidemment, on va en mettre deux parce que voilà. Ensuite, un petit temple. C'est Neptune ou Mercure pour la pêche? Tiens, un petit peu de culture grecque. C'est Neptune pour la mer et c'est Mercure pour le commerce. Donc on va faire Neptune. Évidemment, ils peuvent tomber malades, donc. Vous savez très bien ce que c'est. Même pas. On va carrément mettre une terme. Parce que de toute façon, ils vont nous la demander. On va mettre une terme. Ils vont nous dire qu'il manque de distraction. Donc, on va mettre un théâtre. Ils sont sympas, mais ils vont payer des impôts. Et juste par souci du détail, on va par-ci par-là refaire des routes. Et on va créer une zone tampon. Parce que entre comment, parce que les charrettes vont faire beaucoup de voyages, donc je préfère que comment? Je préfère faire en fait que les charrettes qui sont ici fassent des allers-retours à l'entrepôt. Et que d'autres charrettes fassent aller-retour de cet entrepôt-là au grenier là-bas
pour alimenter la population, plutôt que l'inverse. Même si d'un autre côté, j'aurais même pu carrément remettre un grenier ici. On va remettre un grenier ici. On va voir ce que tout cela donne. On va se mettre carrément un coup d'accélérateur, même si je sais qu'il va y avoir des effondrements. Ça marche bien. On a atteint les 2500. En population, on est à 15 000, 16 000 en sous. Ça augmente d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Alors, ils sont où les Lascar? Ils sont là, ils sont trois. J'ai envie d'envoyer qu'une seule légion. Eux, ils n'ont pas encore combattu. Voilà, hop. Une victoire éclair. C'est vrai qu'ici... citoyens. 3000 motherfucking citoyens. Il y a un petit bug de texture là sur le bas là. Et une zone verte là. Bon, c'est toujours sympa de voir. Alors vous et Lascar, retour encore. Alors, qu'est-ce qu'il vous manque? Bibliothèque. Des meubles. On a tout ce qu'il te faut, César. On a tout ce qu'il te faut. T'as qu'à te demander. Hausse des prix pour les armes. Donc c'est parfait. C'est absolument parfait. Commerce florissant. Le potentiel de cette route de commerce est tellement satisfaisant que nous sommes prêts à exporter encore davantage le prochain produit. Donc, on exporte encore plus d'armes. Ce qui est une excellente nouvelle. Les poteries, t'en fais pas, les poteries ça arrive de toute façon. Écoutez, puis en plus j'ai pas l'impression que ça s'est fait autant que ça. Hein. C'est plutôt stable cette histoire. Où en est mon chômage? Pour savoir si je peux me faire un colisée ou pas. Eh ben oui, je peux me faire un colisée vu le taux de chômage qu'il y a. On va réduire un petit peu la vitesse simplement. Réduire la vitesse et donc se faire notre petit colisée, sachant que je vais faire tout ça là où il y a le plus de chômage, c'est-à-dire ici. Donc le colisée, je vais le faire plutôt vers ici. Et tout ce qui est parc à Lyon et parc à machin, je vais faire ici. Ça, ça résout énormément de problèmes. Dans ce sens-là, on va faire donc notre parc à Lyon. Quatre là. Et notre école de gladiateurs.
fait. Vu que je le sens mal, on va également se faire au bout préfecture à études d'ingénierie. Et... ici, carrément. Boum. Colisée. Et notre armée est presque complète. Alors, il me semble que je peux pas faire plus de fort que ça. J'ai un doute. Non. Votre région dispose de tous efforts. Donc voilà. Pour le moment, César nous a pas demandé de lui envoyer de l'armée. Parce qu'on peut envoyer de l'armée à César. Mais... Eh, il est déjà plein de poiscailles, hein, le... Eh, me dites pas que là, je manque de nourriture. Réserve de nourriture pour seulement un mois. Tu te fous de ma gueule. Les ennemis approchent de la cité. Les citoyens désirent plus de bibliothèques. Au niveau de l'éducation. Très bien. Les demandes portent sur des tâches de base en religion. Et pareil pour les loisirs. Bah les loisirs, attends, et t'es marrant. Je viens de construire un colisée. Attends qu'il s'active. Attends que je repasse en vitesse normale. Ça va te faire drôle. Oh, il y a un théâtre ici. Oh, déconne pas. Oui, je veux dire qu'ici, je tenterai un truc. Mmh. Ouais, on va tenter un truc. Parce que... je sens mal. Il y a un truc que je sens mal. Donc on va le faire. Une double épaisseur suffit. On va faire des tours. Ça me consomme un peu d'argent, mais j'ai tout ce qu'il me faut. Ce bâtiment a besoin d'une route, ouais, je sais. Bouge pas. Attendez, je vais pivoter un coup parce que... voilà. Ouais, ça fait bizarre, hein, d'avoir la carte comme ça d'un seul coup d'un autre angle. Hop, voilà. Même si je vais devoir de toute façon détruire une tour... voilà. Pour y mettre. Un corps de garde. Histoire que mes soldats puissent passer. Bon, je pense qu'est-ce qu'il faut. Alors, les poteries. Ici, ils ont pas de poteries qui arrivent. Bon, bah... pourtant, il y en a déjà de la poterie, mais... apparemment, c'est trop loin. Bon.
À ce point-là, les mecs? Bon, on en est où? On est bien, hein. Apparemment, je manque d'école. C'est ce qu'il me dit, je suis sûr. Ah non, les lieux de culte. Il veut des lieux de culte, lui. Bon, ok. Hey, on n'est pas loin. Après, c'est la population qui nous manque. Culture, c'est sur les lieux de culte. Est-ce que là-bas... Oui, là-bas, je leur ai mis deux temples. Et... Oh. Je peux peut-être rajouter un petit temple ici, s'ils veulent, mais... Enfin, Mars. On va repasser en accéléré quand même parce qu'il y a le Colisée qui a toujours pas pris place. Mais vous allez vous faire défoncer. Bon. Ils sont où? Ils sont là ou... Ouais, ils sont là. Bah écoute, allez, on va envoyer cela. Hop. Bravo, vos citoyens sont fiers de vous servir. Ce qui n'était autrefois qu'une petite ville est devenu une véritable cité grâce à l'ouverture d'un colisée. Eh ouais, je sais pas si c'est bon. Bon bah là. Ah là, ils sont contents les mecs. Ah, ils sont contents les mecs là. Bon, là, le grenier qui est... Ils sont pas contents à cause du grenier. Bon bah... Bah brûlé. Oui César, on a ce qu'il faut pour toi. On a ce qu'il faut pour toi, t'en fais pas. Tiens, il y a de l'huile qui est partie en fumée, tiens. Ils ont jeté de l'huile sur le feu. Ok, d'accord, je sors. Et j'ai oublié de relancer le chrono pour cet épisode. Je vais checker le temps. Parce que c'est vrai qu'à mon avis, on a dû dépasser. Bon, écoutez, on va repasser à 90% pour essayer de gérer l'affaire. J'ai pas vu le temps passer. Je suis sûr, j'ai pas vu le temps passer. Attendez. Donc vous aurez peut-être cet épisode en deux parties, je ne sais pas. On verra bien. Je check le temps et puis on... Je vous retrouve tout de suite. Je sauvegarde. A tout de suite. Si ça c'est pas géré ça, on est à 29 minutes. Ben dis donc, sans chrono, j'ai réussi à gérer un peu le temps. Bah écoutez, ben sur ce, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais aller faire un peu de montage. Et puis ben... Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous le désirez, laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt.